Deux eaux de marque dans les locaux d'Info TV. Jean-Claude Otou, journaliste chevronné, ancien rédacteur en chef de la Radio Cameroun et ancien directeur général adjoint d'un opérateur de téléphonie mobile, en visite de courtoisie au siège social de la chaîne du Vivre Ensemble. Il apporte son expertise, partage son expérience et galvanise la jeune équipe dynamique sous les bons auspices du président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Mvin, en présence du top management et l'ensemble du personnel de la chaîne. Jean-Claude Otou insiste sur la nécessité de respecter l'éthique et la déontologie du métier de journaliste, dont la collecte, au traitement et à la diffusion de la bonne information, au moment où les discours haineux troublent la cohésion sociale et le vivre ensemble. J'ai d'abord été épaté parce que, au vu des installations dont vous disposez ici, qui sont des installations modestes, et au vu du rendu de votre travail, on ne le croirait pas du tout. Donc, je pense que vous devriez être fier de ce que vous faites ici à Info TV. Et comme je le disais également tout à l'heure, mon devoir en tant qu'aîné, c'est de partager mes savoirs et mes expériences de mes nombreuses vies professionnelles comme journaliste avec les jeunes. C'est un devoir que j'ai le plaisir et que j'aurai le plaisir d'offrir ici à Info TV. Après la phase de présentation et d'échange d'idées, la satisfaction est au comble. La leçon est plutôt bien assimilée. Aujourd'hui, reçu en grande pompe le journaliste qui nous a rendu visite, M. Otou, un vieux de la vieille, a galvanisé les équipes qui travaillent à Info TV. On se prend à rêver du métier tel qu'il devrait être fait, puisque dans le déroulé de ces échanges-là, on a eu un échange qui nous permet de mesurer le chemin qui nous reste à parcourir pour penser comme ses aînés, pour faire comme ses aînés. Parce que justement, à leur côté, on apprend et on a appris beaucoup dans la pratique au quotidien du journaliste. Arrive ensuite le représentant résident de l'IAI Cameroun, Amand-Claude Abanda, qui ne manque pas à son tour de saluer cette visite de l'icône en journalisme qui vient sensibiliser sur la lutte contre le repli identitaire, cheval de bataille de la chaîne de proximité et du vivre ensemble Info TV. J'ai un immense honneur d'être à côté de lui et surtout ce qu'il a dit est très pédagogique pour ceux qui veulent faire de carrière dans le journalisme, dans les métiers de communication. Je pense que c'est une véritable icône qui doit être avec nous, vis-à-vis de qui on doit réserver une certaine attention. Le rendez-vous de prise de contact s'achève par la visite guidée de la chaîne Info TV.